qu'en ce déconfinement, le besoin de santé, le besoin de protection à travers les personnels, les lits, les respirateurs, les tests, les masques, ça leur revienne comme un boomerang. Et ceux qui sont les plus à même de porter cette contestation, c'est ceux qui, depuis des années, portaient tes exigences. On se souvient, il y a 2 ans, on était nombreux à être ici, autour de la grève de la faim, qui après a donné les perchés au Havre, puis après ceux d'Amiens et d'autres, puis après les grèves dans les urgences. Mais ce n'était pas seulement les personnels de santé. C'était aussi les familles dépsychiatrisées. C'était aussi les syndicalistes et les cheminots en grève. En clair, ce qu'ils ont peur aujourd'hui, c'est qu'il y ait une alliance entre les personnels de santé, les citoyens, les associations, les syndicats, autour de cette chose élémentaire. On en a marre des exigences comptables. On veut des moyens pour les humains, la vie, la santé, pas les profits. C'est donc pour ça qu'ils vous décernent, parce que moi je me sens pas du tout concerné, peut-être que vous non plus, qu'ils vous décernent des médailles en chocolat, qu'ils n'ont pas envie de vous donner de salaire, mais peut-être qu'ils vous donneront une prime, qu'ils n'ont pas envie de vous donner de salaire, mais peut-être qu'ils vous demanderont, à votre copain, à votre copine, à votre grand-père, de vous donner une journée de RTT supplémentaire. Ils n'ont pas envie de vous donner de salaire, mais peut-être qu'ils auront envie de casser les 35 heures. Parce qu'évidemment, le problème, c'est les 35 heures. Le problème, c'est pas qu'il n'y a pas eu d'embauche à l'hôpital. Alors la réponse, elle est oui, il faut du salaire. Il faut 300 euros pour tous les personnels des hôpitaux, c'est clair. Mais il faut des embauches, parce que des embauches, c'est les moyens d'ouvrir des lits, c'est les moyens d'accueillir dignement les personnels. C'est les moyens d'accueillir dignement ceux qui ont fui l'hôpital et ceux qui doivent revenir. C'est les moyens aussi, peut-être, on le craint, on en a peur, qu'il y ait une nouvelle vague de Covid-19. Voilà, c'est ce qu'il faut. Ce déconfinement, c'est aussi le moyen de déconfiner nos colères pour exiger ça. Alors aujourd'hui, l'hôpital a tenu parce que les personnels ont tenu, mais ils ont tenu les derniers chiffres ce matin au prix de 65 000 personnels de santé qui ont contacté d'une manière ou d'une autre le Covid-19. Je ne parle pas des morts, et ça c'est hors médecine libérale. Bon. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut réussir à faire, c'est des rassemblements comme ça qui disent à tout le monde, notre santé, c'est pas seulement celle du personnel de santé. Notre santé, c'est un enjeu qui doit unir les personnels de santé, leurs syndicats, leurs associations, les blouses noires, les bas et masques, et l'ensemble de la société, leurs syndicats, leurs associations, les citoyens. Et pour ça, il y a une date qui est importante. Le 16 juin, 11 associations, des syndicats, l'association des médecins urgentistes, le collectif pour défense des maternités et hôpitaux de proximité qui dit « c'est un moment où on peut imposer une série de choses, pas du blabla, pas de la manière dont on gérera dans 100 000 ans les hôpitaux, mais des salaires, des embauches, et les embauches on les connaît, les syndicats, les personnels les réclament depuis longtemps, c'est 100 000 embauches pour les hôpitaux au minimum, 50 000 dans les EHPAD ». Voilà, et je rajouterais 25 000 personnes pour que la santé publique soit vraiment une santé publique communautaire et pas seulement on vous enferme. Et puis après, quand ça va mal, vous allez à l'hôpital et puis entre les deux, plus rien. Et donc ce qu'il faut qu'on arrive à tisser, c'est des liens. Ce premier lieu, c'est un rassemblement, un premier. Il faut que nous ici, on soit à l'initiative d'un appel, d'un débat, quelle que soit la forme, où les personnels, les syndicats, les blouses noires, Sud, CGT, les gilets jaunes, toutes les associations, on se dise, on prépare quelque chose autour des besoins de santé, autour de ces exigences, et que le 16, on soit capable de le faire à l'HP, au CHU, dans les EHPAD, et c'est pas facile dans les EHPAD, au Belvédère, et que ça se converge, peut-être dans la rue, peut-être à Rouen, sûrement en respectant les distances de sécurité. Donc si on a une obsession, c'est d'ouvrir notre gueule, parce que là où il n'y a pas de pouvoir, il y a du Covid-19. Là où il n'y a pas d'hôpitaux, il y a des morts du Covid-19, comme en Seine-Saint-Denis. Là où il n'y a pas de pouvoir, et bien le Covid-19 il se développe, comme dans les abattoirs, dans les endroits où il fait froid et humide, comme les poissonneries industrielles et tout ça.
Donc du pouvoir sur nos vies, c'est des soins, des personnels, des embauches. Et puisqu'ils ont décidément été si nuls et que leur monde d'après, ils ressemblent tellement à leur monde d'avant qu'on a envie de le vomir, eh bien on s'organise, on prend nos affaires en main, on tisse nos alliances en bas pour essayer que notre santé soit une des priorités au cours desquelles on déconfine notre colère. C'est cette volonté gouvernementale, ce sont ces volontés institutionnelles de faire taire les personnes qui se battent pour un avenir meilleur et qui réclament des meilleures conditions de travail. Rappelez-vous, il y a exactement 2 ans, un mouvement social historique au sein du Rouvray s'était créé pour réclamer 30 postes supplémentaires. Il a fallu une grève de la faim de 18 jours pour déboucher un accord signé par la précédente direction et l'ARS. 2 ans après, le compte n'y est toujours pas. Car soi-disant, la direction ne parvient pas à recruter. La raison ? Le directeur a une explication à cela. Notre mouvement social de 2018 a terni l'image de l'hôpital. Aujourd'hui, alors que nous traversons une crise, une grave crise sanitaire, la gestion des moyens a de nouveau été catastrophique. Tellement catastrophique que des directives ont été publiées. Nous demandons de faire sécher nos masques afin de les réutiliser le lendemain et en interdisant aux patients d'en porter. Encore une fois, nous, professionnels de la santé, avons dénoncé ces pratiques en diffusant sur les réseaux sociaux ces recommandations émanant de la direction à convoquer des agents à des entretiens disciplinaires. Effectivement, monsieur le directeur, le Rouvray n'attire pas les agents, n'attire pas les professionnels de la santé. Car vous, monsieur le directeur, vous les faites fuir. Nous n'avons jamais perdu autant d'agents de toute catégorie socio-professionnelle. Depuis que votre arrivée, vous les faites fuir, vous les chassez par le biais de mobilité forcée, de menaces, de répression et de sanctions. Mais nous tous ici présents, soyons fiers des combats que nous avons menés. Restons forts et unis, car ces luttes ne sont pas terminées, bien au contraire. Ne nous laissons pas intimider, ne nous faisons jamais. C'est notre devoir en tant que citoyens de dénoncer ces pratiques inhumaines et délétères. De nouveau, nous fédérons, montrons-leur que nous n'avons pas peur d'exprimer nos valeurs, qui font la force de notre hôpital. Merci à tous, merci au Havre d'être venus, merci à la population, et merci à tous les agents. Ne lâchons rien. D'envoyer une prise de position à tout l'hôpital de défense des collègues. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit avant. La situation dans laquelle on est, elle n'est pas propre à notre hôpital, c'est la destruction de tout le système. Mais la situation actuelle, elle est qu'il y a 7 collègues qui sont menacés de sanctions. On a pris une position contre toute sanction, contre toute convocation. Les sanctions doivent être retirées. La situation, la colère des collègues, elle est normale. La colère des collègues qui s'exprimaient sur les réseaux sociaux, c'est la colère de tous les professionnels. Donc nous, en tant que syndicat de médecins, on soutient l'ensemble des collègues et on est disponible pour défendre tous les collègues dans toutes les réunions, dans toutes les convocations à la direction. Et ce qui a été dit sur le fait que notre hôpital ne serait pas attractif, au contraire, les services où il y a le plus de combats, c'est les services où il y a le plus de recrutement. On voit bien, il y a plein de services, il y a des services majeurs de l'hôpital là où qui n'ont pas fait grève, en tout cas chez les médecins qui sont peu positionnés, et c'est les services qui perdent des médecins. Donc en effet, je pense que
On doit... Dans la grève de la faim, que dans le comité de soutien qui est toujours mobilisé, on trouve inqualifiable en fait que tout le protocole qui a été signé à l'issue de cette grève extrêmement dure pour les salariés qui l'ont menée, que le protocole ait juste été foulé au pied. Et on se remobilise aujourd'hui pour la défense de l'hôpital public, pour la défense des soins, d'une société du soin, contre justement cette gratuité du travail qui semble se répandre partout et qui arrange bien les pieds au pouvoir. Non, le travail n'est pas gratuit. Et je pense que c'est important de revendiquer plus que le minimum. Le comité de soutien se réunit demain de manière virtuelle. Si jamais vous souhaitez le rejoindre, vous pouvez nous envoyer un mail à soutien@samaliste.org. Voilà, on vous abonne à cette petite information et comme ça vous serez tenu au courant des mobilisations.